Eh bien salut tout le monde, ici Logan7218, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Alors bien sûr, je suis en très chère compagnie de Sika qui est dans la convert. Salut tout le monde. Alors ça fait longtemps d'ailleurs qu'on a fait une petite vidéo ensemble, parce que on s'est mis un peu tous les deux de notre côté en faisant nos vidéos, tout en continuant à jouer bien sûr tous les deux sans faire de vidéo. Alors là c'est une petite vidéo tout simplement pour expliquer qu'on a fait une petite partie zombie qui a fortement bugué justement, donc alors justement je vais te laisser de l'expliquer ce qui s'est passé. Ben, en fait en réalité on faisait une partie, déjà au départ c'était un peu louche parce qu'on n'arrivait pas à se rejoindre. Déjà en premier temps. Après en deuxième temps j'ai lancé une partie pour histoire que tu me rejoignes en fait, pour lancer une partie. Et une fois lancé t'as réussi à me rejoindre, on faisait notre partie tranquillement. Et au bout d'un moment notre petit Logan a fait la caisse. Et qu'est-ce qu'il trouve dans la caisse? L'arme, la nouvelle arme qui s'appelle laser numéro 2. Et qui va être dans le pack Vengeance. Ouais, alors... Vraiment exclusif, on comprend pas pourquoi. Non. Moi, ma plus claire explication, c'est que... Soit numéro 1, Activision ou Treyarch va mettre l'arme plus tard et à sécuriser, histoire de pas l'avoir en avance. Hein. Enfin, ils vont peut-être le mettre mardi ou... Ou peut-être un peu avant au week-end. Franchement, c'est un bug vraiment violent parce que j'ai rarement vu un bug de violence tel quel. Ouais. Parce que d'avoir une nouvelle arme comme ça, ça m'étonne vraiment. Mais je suis plus pour que Activision ait mis une sécurité. Après, je sais pas pour ce que t'en penses, Logan. Bah, je sais pas, j'ai pas compris parce que normalement, c'est une arme qui est censée être là pour le 5 juillet, si je me trompe pas, pour la Xbox. Parce que la Xbox, non, non, 2. Ah oui, voilà le 2. Il va avoir les packs en avance forcément sur la Xbox, il y a toujours un mois. Et normalement, on le reçoit le 2 juillet sur Xbox. Et normalement, cette arme, justement, va être dans la nouvelle map. Alors, ce que je comprends pas, c'est. Il y a deux choses, comme tu dis. Mais je. Enfin, ça dépend. C'est où c'est une mise à jour qui fait que l'arme là va pouvoir être dans toutes les maps, y compris Mob of the Dead. Et qu'en réalité, là, je fais la vidéo, mais c'est tout à fait normal. Mais de toute façon, il fallait quand même la montrer. Alors, même si tout le monde l'a. Non, c'est impossible. J'ai fait une partie tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que. Trois fois la caisse, j'ai pas trouvé. C'est vrai qu'il a fait la boîte et elle a jamais été affichée. Même pas, même la voir, ok, mais même pas être affichée. Elle a même pas été affichée comme si elle n'a jamais existé. Alors, on comprend pas en réalité si c'est une arme qui est là, mais que pour l'instant, ça bug et elle se voit pas dans la boîte. Ou alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais le jeu a tellement bugué que j'ai su avoir l'arme avant tout le monde. Si c'est le cas, je crois franchement que la vidéo va faire des milliers de vues. Mais je sais pas. Je sais pas comment ça s'est passé. J'arrive pas à comprendre non plus. C'est ou un bug de leur part, mais franchement, j'ai de la chance suprême. Ou alors c'est une arme qui est là et que tout le monde... Non, mais c'est vraiment... c'est pas un laser trafiqué. Hein. Vous voyez bien que... Elle est bien stylée, hein, c'est bien le skin qu'ils avaient présenté dans la vidéo. De toute façon, vous avez bien vu, j'ai tiré avec, on entend bien le bruit, elle tire 3 balles. De toute façon, Logan, il n'a pas l'habitude de faire des vidéos fake. Je fais pas de vidéos fake, moi je me fais pas chier, je fais ça pour le fun. Hein. Moi je me fais même pas chier dire j'ai fait un score de ta. Non, je me fais pas. Mais il y aura beaucoup de films que t'es né mec sur YouTube. Hein. Ouais. Voilà, le fake rien que pour rapporter des vues. Moi je m'en fous totalement, regardez mes vues, j'essaie pas de faire non plus un travail excellent, qu'on peut dire. J'essaie d'améliorer la qualité, mais j'essaie pas de faire voilà des trucs qui vont me rapporter des millions de vues. Moi mon but est de faire ça pour le fun. Si ça me ramène 100 vues, je suis content. Si ça me ramène 2 vues, je m'en fous quoi. Je fais vraiment ça pour le fun. Et là bizarrement on a joué tranquille et voilà, j'ai non, moi je pense cette... franchement que ça c'est mon premier avis qui compte parce que c'est vraiment louche hein, quand même d'avoir une arme hein, même pas un bug. Ouais, carrément une arme. Ouais, c'est vraiment une arme. En plus que t'as amélioré plus tard. Ouais, de toute façon, dans la vidéo là, vous allez voir, vous y êtes pas encore là. Mais je vais l'améliorer. Je vais jouer à peu près une ou deux manches pendant que. De toute façon, à la fin, vous allez voir, on s'amuse à lancer le Tomahawk pour gagner un peu plus de sous. Et en plus, parce que Sika n'a pas vraiment d'armes, alors il a pas le choix. Alors, je l'ai amélioré, j'ai essayé un peu de tirer avec. De toute façon, j'en ai quand même tué pas mal. Bah là, justement, on va bientôt l'améliorer là. Je vais tirer avec parce que j'étais un peu dans la merde.
Et vous allez voir, amélioré, il défonce. Hein. Il tire en rouge, il est assez stylé. De toute façon, vous allez le voir. Mais c'est vrai que ça m'étonne aussi. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. De toute façon, même si c'est une arme qui est déjà là, regardez là le Tomahawk, il me fait rire. Si c'est une arme qui est déjà là, par contre, le Tomahawk, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. Parce que là, on est en train de commenter. Pour moi, on est qu'à 5 minutes 11. Mais là, en réalité, il va avoir 2 minutes qui va être ajoutées dans la vidéo. Alors, sans savoir, vous allez seulement voir la Tomahawk. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas fait un erreur de montage. C'est parce que là, on est dans une vidéo qui ne dure que 10 minutes alors qu'elle va durer 12 minutes 20. C'est parce que, à un moment, j'ai filmé en mode studio. Carrément, quand je l'ai eu dans la boîte, pour que vous voyez bien que c'est pas un fake, je l'ai carrément eu dans la boîte, vous allez le voir. J'ai même fait un arrêt sur la boîte. Je vais même se servir de cette image pour faire une miniature, tellement que c'est stylé quand même. Et regardez là, le tir en rouge, c'est pas mal, mais bon, vous allez le voir bientôt, pas maintenant. Là, je suis en train de parler trop en avance, contrairement à... merci, c'est cool de m'avoir invité aux zombies. Putain, et en plus, oui, à propos, il y a un méchant bug, parce qu'on pouvait pas s'inviter. Ouais, comme on pouvait pas s'inviter, je devais carrément, comme il a lancé le jeu, je devais carrément le rejoindre pour qu'on y joue. Alors peut-être qu'en réalité, le jeu était en mise à jour, ou en plein bug de mise à jour. Et en venant, je sais pas, j'ai peut-être fait bugger. Ah, mais déjà, il y avait une mise à jour avant qu'on joue à Call of, il y avait une mise à jour. C'est vrai, je sais pas quoi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Franchement, je le dis franchement. En plus, surtout quand on a fini de jouer, il y avait le jeu qui nous disait mettre une mise à jour bizarre. Ouais, alors. Ouais, on n'a pas. C'est bizarre. Hein. Ça se peut qu'on ait comme des gros. Ça se peut aussi qu'on ait comme des gros handicapés qui est en train de dire on a l'arme. En réalité, tout le monde l'a eu. On sait pas. En réalité, on sait pas. Tout dépend. C'est non, mais surtout ceux qui disent ouais, mais faut être en original, je sais pas quoi. Là, c'est en facile. Hein. En plus, c'est en facile. Ouais, alors, c'est en facile. Donc, il y a peut-être eu un bug, un réel. Je sais pas. C'est où tout le monde l'a et on se fait plaisir pour rien. Mais de toute façon, même si tout le monde l'a, je devais quand même faire la vidéo pour le montrer parce qu'il est quand même assez. En plus, ça m'étonnerait au niveau logique parce que je sais pas, moi je mettrais pas une nouvelle arme sur une ancienne map. J'ai pas. Un atout, oui, ils avaient fait ça avec la 3 armes, mais à part ça. Ouais, un atout encore, mais une arme. Je sais pas. C'est très étrange. Hein. Comme je sais pas, chaque arme a sa propre map, hein. Bah ouais, c'est ça. Ils mettent pas des armes retrouvées. C'est comme si maintenant ils mettent le Blunder 4 dans Transit. Enfin, ça serait bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, ça rend bizarre. Je sais pas, c'est comme j'ai dit, c'est où elle a toujours été là et tout le monde en profite à ce temps, le temps où on en parle. Et on se fait plaisir pour rien, mais comme je l'ai dit, de toute façon, il fallait quand même jouer la vidéo parce qu'elle est pas mal, l'arme. Il y a sûrement des gens qui la connaissent pas, alors dans un côté. J'en profite pour faire une découverte, quoi. Bah déjà, tu peux la décrire. Ouais, bah justement, bah là, comme vous pouvez le voir, quand même, il y a pas mal d'armes. Déjà, le skin, il est rouge. Il est plus modifié que le 1. Ouais. Je le trouve plus stylé. Il tire 3 balles d'une fois, quand vous appuyez une fois sur le cachet. Il est un peu plus grand aussi. Ouais. Et le chargeur est à l'arrière, quand on le retire. Là, il tire 3 balles d'une fois. Ça veut dire que quand vous appuyez sur votre gâchette, il tire 3 balles d'une fois, voilà. Alors il faut tout simplement appuyer. Il a un gros chargeur aussi, hein. Quand même, c'est pas mal. Et il tire méchamment, hein. En plus, ouais, il est beaucoup plus puissant que l'autre. Parce que l'autre faisait des ondes de choc, t'avais même tendance à mourir. Alors que lui, ah ben les balles transpercent les zombies pour en toucher d'autres, tu vois. Alors il est. Et là, tu peux les ramper ou. Je crois pas. Moi, non. Perso, j'ai essayé, ça les tue tout de suite. Je sais pas, faudrait peut-être que j'essaye de viser les jambes, mais bon, je crois qu'il va peut-être falloir attendre parce que je pense que j'ai eu pas mal de chance de tomber dessus. Et par rapport au gardien, gardien, c'est à l'énigme direct. De toute façon, ils vont le voir là, je viens de passer le moment. Mais bon, ça sera décalé dans la vidéo. Ouais. C'est à l'énigme direct, hein, c'est fou. Et on est à la manche 23, c'est à l'énigme direct. Non, il est méchant. Franchement, il est méchant. Comme je dis, hein, on a peut-être une. Bon, on arrête d'y jouer. On a hâte de rejouer avec cette arme. Peut-être que j'ai eu de la chance de tomber dessus ou peut-être pas, hein. Il y a sûrement des gens, de toute façon je connais, hein, je le connais. Bah, de toute façon on verra un mardi. Ouais, de toute façon je connais, il va sûrement avoir des styles de gens qui vont dire t'as pris un gameplay venant d'un autre pays ou blablabla. Ouais bah je sais pas si vous connaissez un Sika américain. Vous connaissez un Sika américain. Je sais pas, non mais bon. Non mais déjà c'est marqué le gain en dessous. Hein. Bah ouais, alors bon je pense que je peux pas faire mieux. Je pense que vous voyez bien la confirmation que c'est moi qui l'a fait. Ce qui appelait là au fond là. Ah c'est ça quoi. Bon on est sûrement tombé sur un bug, une chance inouïe, j'en sais rien. Ou alors elle est là, je sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que si elle était pas là,
Là, je me suis fait niquer. Tout ce que je sais, c'est que si elle était pas là, bah c'est nous. C'est bah, terrible. Dans tous les cas, je pense que ça marchera bien hein, vu que c'est une nouvelle arme. Hein. Si, même si. Oula, comme tu. comme tu devais bouffer. Même si elle est là, c'est pas grave parce que c'est vraiment une belle arme et. Ouais, c'est marrant de la montrer et si elle est pas là. Wow, ouais, il fallait quand même la montrer, alors de toute façon c'est pas très grave quoi. Mais bon voilà, on va se quitter là-dessus. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo de cette nouvelle arme qui n'est peut-être pas là ou qui est peut-être là, j'en sais rien. Je sais pas, de toute façon on va se refaire une petite partie je pense pour revoir. Comment ça s'appelle? Tout le monde veut savoir. Elle, elle s'appelle le pistolet laser numéro 2. Enfin pistolet ouais, laser 2. Alors c'est tout simple. Je sais pas si ouais, on va mettre en titre. Ouais, bon voilà. Alors ben, on se retrouvera à la prochaine pour une prochaine vidéo test découverte ou épisode de Let's Play. Ou alors bien sûr le non, prochain non, pack. Surtout, le prochain pack. Test, ouais, 20. Call of. 25. Et on verra comment ça va se passer. Allez bon, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures, mes amis. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Tu feras mieux de savoir la vérité. Ouais, quand ton chat te reste à tes talons.